Le quart d'heure, la chanter. Mesdames, messieurs, bonjour. Allez-y. Vous êtes des règlements en français ou en anglais? En français. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son plan au juge. J'ai affiché un carton pour les 12, les 7, les 8 dernières minutes et les 30 secondes restantes à la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes pour suivre. Si vous n'avez pas terminé la présentation après 24 minutes, elle devra arrêter afin de passer à la période de questions. Une période de questions dure maximum de 4 minutes d'allouer pour jouer à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Donc, bonjour. C'est avec enthousiasme et fébrilité que nous sommes parmi vous aujourd'hui. Non seulement afin d'analyser votre entreprise, mais également afin de vous conseiller stratégiquement au sujet d'un mandat bien précis, dont nous ferons mention tout à l'heure. Moi-même, Elisabeth Saucier, MSC, Josiane Brûlé, Y Inc., allons bonifier de façon novatrice vos stratégies d'entreprise. Comment? C'est fort simple. Nous soulèverons les tendances actuelles du marché. Nous proposerons des stratégies qui seront non seulement simples, précises, mais surtout efficaces, qui, rappelons-le, répondront directement à votre mandat, soit de revoir les impératifs stratégiques afin d'assurer que BCM soit reconnue par les clients comme la première entreprise de communication du Canada, tout en investissant progressivement pour assurer la concurrence sur le secteur sans fil. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter le déroulement de notre présentation. Donc, tout d'abord, nous débuterons avec l'analyse de votre entreprise Bell. Donc, tant à l'interne qu'à l'externe, à savoir où elle se situe précisément sur le marché par rapport à sa concurrence. Par la suite, nous enchaînerons avec les stratégies que nous avons élaborées pour vous aujourd'hui, les mises en œuvre qui en découlent, ensuite le budget et finalement les recommandations, donc le facteur succès. Il faut savoir que l'univers dans lequel nous évoluons, donc cette course perpétuelle à l'innovation, à la compétitivité, amène des défis de taille aux entreprises, bien entendu. C'est notamment pour ces raisons que la planification stratégique devient un élément clé pour vous, Bell, afin d'atteindre vos objectifs. Passons maintenant à l'analyse. Pour se poser la question, tout d'abord, à quoi sert l'analyse? L'analyse permet de déterminer si l'organisation en place possède les capacités stratégiques lui permettant de répondre aux interactions du marché. C'est alors qu'on se pose la question, possédez-vous ces capacités? Voyons voir ensemble. L'analyse interne de l'entreprise permet de bien camper les paramètres de votre entreprise, c'est-à-dire vos forces, ce qui font vraiment votre fierté et ce qui fait un peu plus de mal à entendre, c'est-à-dire les points un peu plus à travailler, mais tout aussi importants. Voyons voir ce que dit l'analyse interne de vous, Bell. La plus grande entreprise de communication Canada, c'est-à-dire depuis 1880, vous avez été les pionniers au point de vue des télécommunications depuis maintenant 3 millénaires, et vous avez su garder notoriété année après année et suivre les évolutions du marché. L'image de marque est forte de Bell dans plusieurs domaines, tant au niveau de la téléphonie qui a évolué maintenant au niveau de la téléphonie mobile, tant à la télévision que plusieurs autres créneaux, l'image de marque, elle est présente, elle est forte. Les connaissances du marché, vous avez su évoluer à l'intérieur du marché et vous avez su vous adapter au marché, c'est-à-dire en prendre un maximum de connaissances et vous adapter par la suite. Vous avez eu une performance incroyable depuis 2008 sur les marchés boursiers. Il y a eu un moment un petit peu plus difficile avant 2008 et avec l'arrivée de votre nouveau PDG en place, vous avez eu un succès incroyable avec une forte évolution de votre dividende perpétuellement en croissance et une augmentation de 50% de votre valeur de l'action. Félicitations. La diversité de l'offre, vous avez une gamme de produits ultra diversifiée, tant pour la téléphonie, la télévision, l'Internet que vos produits. Vous avez su vraiment vous diversifier au niveau du produit offert aux consommateurs, tant le particulier que l'entreprise. Voyons voir ce qui fait un petit peu plus de mal à entendre, ce qui a été un peu difficile pour vous, ce qui est notamment le service à la clientèle. Donc, le consommateur ne se sentait pas écouté nécessairement, ne se sentait pas suffisamment desservi
ce qui est service à la clientèle du moins après-vente. Exploitation du surfil, donc dans les dernières années, il y a eu une baisse de du consommateur, ce qui est le marché du surfil, donc c'est se poser la question comment maximiser ce domaine et comment s'adapter aux nouvelles technologies dans ce domaine. Par la suite, le prix de l'offre pour le particulier, il a été ressenti que le prix demandé était difficile suite à le prix qui pouvait être un peu plus bas chez les concurrents, donc c'est quelque chose à tenir compte, c'est quelque chose que le consommateur prend en considération grandement lors de ses choix. Allons voir au volet externe de l'entreprise. Le volet externe permet vraiment de bien camper les paramètres dans lesquels vous êtes enregistré au quotidien. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Le marché renferme plusieurs opportunités à capter, à vraiment exploiter et renferme aussi des menaces à surmonter et à guetter. C'est important de bien illustrer ces deux volets. L'industrie des télécommunications est vraiment au cœur de l'économie canadienne. C'est un marché croissant, c'est un marché très dynamique et très rapide. Donc, ça renferme des opportunités et ça renferme un défi également quotidien de s'y retrouver, de s'y connaître et d'évoluer. Les avancées donc technologiques que je disais, mentionnais un petit peu plus tôt, renferment une grande variété d'opportunités qu'on doit vraiment maximiser et qu'on doit s'y adapter. Et on doit également vérifier ce que nos concurrents font, eux, sur le marché. Donc, les dépenses technologiques au niveau des entreprises et des particuliers, ce n'est, tel que mentionné dans le cas, ce n'est pas un domaine qui va être en décroissance, c'est plutôt en croissance. Les gens dépensent, les entreprises dépensent, maximisent vraiment les opportunités au point de vue technologique. Au point de vue, 72 % des ménages obtiennent les 4 services technologiques de base. Donc, c'est vraiment une opportunité. Les gens consomment, les gens veulent être informés, les gens veulent être allumés de ce qui se fait sur le marché. Voir un peu les menaces. Donc, la forte concurrence, on en a nommé plusieurs dans le cas, tel que Vidéotron est un fort concurrent au niveau du marché québécois, Rogers au niveau de la téléphonie mobile, TELUS également. Donc, c'est vraiment de voir la forte concurrence, comment interagissent ceux-ci sur le marché. L'étendue du territoire canadien, donc notre démographie sur un territoire incroyablement grand, est une menace et en fait un défi de desservir à peu de frais un immense territoire quand le réseau coûte très, très cher pour une population peu nombreuse. Si on compare la densité aux États-Unis versus la France, c'est vraiment un défi de taille. Ensuite, l'environnement économique instable. Donc, on a su se relever un petit peu de 2008. En fait, la crise économique a quasi été pour nous, nous qui offrons un fort dividende sur le marché, qui est quasi un élément positif. Les gens se sont tournés vers l'action de Bell dû au fait qu'il était solide au niveau du dividende, ce qui a eu pour effet l'action a monté et le dividende a su croître au fil des dernières années. La réglementation, le fameux CRTC, donc vous êtes en instance d'une grande décision face à une offre d'achat d'Astral Media, une importante transaction. Donc le CRTC reste, en fait, a pour mission de bien camper les paramètres et d'être là pour le consommateur, être juste et équilibre au point de vue du consommateur. Donc le CRTC émet des paramètres, donc joue un petit peu le rôle de l'arbitre dans le domaine des médias. Et ceux-ci renferment quelques menaces à respecter. Au point de vue de l'analyse, on a fait une analyse brève de vos 6 stratégies. Votre PDG en place, il y a maintenant 4 ans, a émis 6 stratégies très claires qui ont fait le succès des dernières années de Bell. Je vous ai fait un petit résumé des 6 stratégies, dont une qui ne mentionnait pas dans le cas, qu'on va élaborer un petit peu plus tard au niveau des stratégies. La première était accélérer le réseau sans fil. Comment devenir le numéro un, et vous avez su le faire, en offrant le meilleur service et le plus vaste, le plus rapide service de téléphonie, de réseau sans fil au Canada. Comment, à peu de frais, vous avez su créer un partenariat avec notre réseau, avec un partenaire de réseau, TELUS, en minimisant les coûts qui est votre offre. Vous avez également amélioré votre service à clientèle en prenant des décisions d'investir au niveau des infrastructures, au niveau d'un nouveau directeur en place pour essayer de contraindre l'effort des derniers. Pardon. Vous avez fait l'acquisition de la co-entreprise Virgin Mobile, qui est un point fort. Vous avez donc des points de vente
Vous avez une offre de service incroyable au niveau de Virgin Mobile Canada. Vous avez également une dominance au niveau du marché télévisuel, au niveau du mobile. Vous avez une offre de service incroyable au niveau de la téléphonie mobile, au niveau de la télévision. Au niveau du marché télévisuel. Et vous avez également un droit de distribution exclusif au niveau du Canada de l'iPhone, qui était mentionné également, et l'acquisition du magasin La Source, qui est également un point de vente supplémentaire sur le marché. À noter, la deuxième stratégie était d'accroître ou de maximiser le surfil, ce qui va être élaboré un petit peu plus tard. Troisième stratégie, clairement indiquée par votre PDG, accroître le leadership dans les médias. Donc, comment? La première décision a été prise, a été assez claire, analysée dans un élément. Donc, l'acquisition de CTV en 2008 a lancé un petit peu les opérations à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment dans une philosophie de convergence en deux volets, donc diffusion constante dans les quatre canaux, tant sur tablette, ordinateur, téléphone, cellulaire, et également l'augmentation de la programmation de Bell. Donc, avoir une offre plus variée de la programmation média de Bell. Et donc, l'offre d'acquisition de médias que vous êtes en instance fait partie de cette stratégie. Par la suite, on parle d'investir dans les réseaux et services large bande. Donc, vous avez vraiment amélioré la technologie du réseau fibre. Donc, vous investissez beaucoup d'argent dans la technologie fibre pour se rendre maintenant dans les secteurs. Le premier secteur a été Québec. Là, maintenant, vous faites l'introduction dans plusieurs villes. Donc, vous êtes dans un moment clé de l'évolution de la fibre optique. Le lancement de la téléfibre, on a vu un petit peu, là, il y a un lancement, il y a un engouement pour la téléfibre. On se demande qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on veut. Donc, vous avez fait le lancement de la téléfibre, qui est une nouvelle technologie. L'investissement également d'un centre d'hébergement de données, qui est maintenant situé à Gatineau. Vous avez fait un grand investissement, ce qui est peu connu de Bell, mais vous êtes un emmagasineur incroyable de données pour des solutions d'affaires chez Bell. Par la suite, vous avez su créer un investissement dans les réseaux et services large bande qui était énuméré, donc amélioration de la fibre, lancement, c'est en double, mais c'est pas grave, et les solutions d'affaires de Bell. Vous avez su établir également une structure de coûts concurrentiels. Vous avez vraiment posé 8 actions concrètes pour passer d'une société de portefeuille vraiment à une société d'exploitation. Vous voulez que vos créneaux d'exploitation vous rapportent de l'actif de l'argent. Donc, les 8 créneaux là, ont su profiter de ces stratégies. Donc, on retrouve Maple Leaf, le Centre Bell, CTV, La Source. Donc, ça favorise vraiment la philosophie de société d'exploitation. Par la suite, l'amélioration du service à clientèle, qui était le sixième élément de la gestion clé depuis 2008 de l'entrée du PDG. Donc, l'amélioration importante du département, il y a eu un fort investissement au niveau service après-vente chez Bell, dont un nouveau directeur qui est venu, et l'investissement des capitaux se sont faits également. Donc, maintenant, si on parle stratégie, nous, ce qu'on vous a proposé, c'est vraiment de maximiser sur l'investissement des réseaux sur fil. C'est quelque chose que vous faites depuis longtemps. Vous êtes pionnier dans ce domaine-là. C'est important de ne pas le perdre malgré le fait que vous offrez divers services. Donc, comment on fait ça plus précisément? On a une stratégie, 3 actions. Donc, innover, communiquer et engager. De façon plus concrète, quand on parle d'innover, on fait référence aux bases de données. Donc, on veut vous proposer de devenir vraiment, de mettre l'emphase là-dessus pour devenir une référence dans le domaine du stockage de données. Par la suite, pour ce qui est de la communication, donc on veut vraiment mettre le produit téléfibre de l'avant. Donc, c'est un concept de télévision interactive, c'est nouveau, c'est innovateur dans le domaine de la télécommunication. Donc, on veut vraiment mettre ça de l'avant. Puis, bonne nouvelle, depuis 5h12 ce matin, mesdames et surtout messieurs, l'accord de la LNH est terminé. Donc, on veut capitaliser là-dessus, puis profiter de la reprise de la LNH pour créer un événement, donc un salon expérience Bell.
Puis finalement, pour la partie engagée, donc comment on engage le consommateur? Pour seulement juste revenir, là, la première partie qui est base de données, c'est vraiment plus pour aller chercher le côté business to business. Donc, on veut faire bâtir des bonnes relations d'affaires. Puis, la dernière phase qui est d'engager, c'est vraiment plus avec le consommateur. Donc, via les réseaux sociaux, créer une communauté avec les utilisateurs des divers produits Bell. Comment on fait ça maintenant pour ce qui est d'innover? Donc, le but pour la première phase qui est les bases de données. Donc, les bases de données ont de plus en plus d'importance dans le domaine des affaires, autant pour les clients que pour les entreprises. Les données pour les entreprises, c'est un actif. Pour les clients, ça permet aux entreprises d'offrir de meilleurs services, de mieux connaître la clientèle. De plus en plus, les consommateurs sont enclins à donner de l'information parce qu'ils sont conscients que ces informations-là vont être prises en considération pour avoir un meilleur service par la suite. Donc, le but, c'est vraiment de transformer les actifs, les données en actifs pour les entreprises avec qui vous allez faire affaire, avec qui vous faites déjà affaire. Donc, la demande est criante. C'est prévu que d'ici 2020, on va avoir besoin de 10 fois plus de serveurs pour stocker plus de 50 fois de données que ce qu'on fait en ce moment. Donc, le besoin est là. Vous le faites. Il reste juste à vous faire connaître dans ce domaine-là. Puis comment on fait ça maintenant, les moyens? Donc, l'augmentation de nos efforts B2B. On parle d'efforts au niveau de la représentation, de la sollicitation des entreprises. Vous êtes une compagnie qui est très établie. Puis ça, c'est quelque chose qui est recherché parce que c'est bien évident que les entreprises ne sont pas enclines à donner leur information personnelle à n'importe quelle entreprise. Donc ça, c'est une de vos très, très grandes forces pour ce qui est des bases de données, donc de la phase d'innovation. En ce qui a trait maintenant à la télépub, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment profiter de l'engouement de la NEH. Donc, ce matin, 5h12, c'est arrivé, oui, le lock-up est terminé. Donc, imaginez-vous, fin de période, 9h35, c'est la pause. Qu'est-ce qu'on fait? On va au salon Living It. Ça va être un salon Bell. Ce qu'on propose, c'est vraiment d'imaginer le consommateur dans son environnement habituel. Donc, chez soi, on reproduit l'environnement. Puis ce qu'on propose, c'est de faire justement un hashtag « Vivez-le, Living It ». Donc, on propose à l'amateur de sport de venir, de s'asseoir et de se « check-in », de se localiser, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un concours qu'on offrirait des billets de série aux amateurs de sport. Donc, non seulement ça attire le consommateur, mais également, ça permet de faire connaître Téléfib, qui est tellement... c'est le futur de la télévision, donc c'est pas assez connu d'après nous. Donc, ça serait vraiment un événement qui vous ferait connaître et en même temps, ça permettrait aux amateurs de sport de s'amuser durant les périodes. Donc, ça serait un élément très important. Au point de vue des médias sociaux, en fait, qu'est-ce qu'on veut chercher? Informations pertinentes au point de vue de notre présence sur les médias sociaux. 19 000 abonnés au point de vue Facebook versus données d'un fort concurrent, Vidéotron, pour ne pas le nommer, 89 000 abonnés. Il se passe de quoi? Les médias sociaux sont en vogue. Les gens que vous voulez rechercher, donc le consommateur, est présent sur les médias sociaux. C'est important d'interagir avec celui-ci sur une plateforme qu'il utilise au quotidien. Si c'est Facebook, tant pour Facebook que Twitter. Donc, l'objectif vraiment des médias sociaux qu'on veut être présent davantage, c'est interagir avec le consommateur. Le consommateur est présent sur ses réseaux, veut interagir, veut se faire amuser, veut jouer également sur ses plateformes. Donc, on doit y retrouver. En fait, le consommateur de Bell doit y retrouver son compte et doit être sollicité sur ses plateformes. En fait, l'objectif vraiment, c'est de créer une communauté Bell sur tant Facebook, Twitter que maintenant Instagram, qui est maintenant en vogue. Donc, on veut vraiment récolter de l'information. La recherche qu'on a faite mentionnait également qu'on a remarqué que vous étiez en mode donner de l'information à vos consommateurs sur ces réseaux sociaux-là. L'objectif, c'est maintenant d'avoir, pour, si je peux me permettre, le feedback de celui-ci, qui est vraiment la richesse de la connaissance et vraiment le fondement de ces réseaux. C'est de maximiser notre présence puis l'interaction qu'on peut avoir avec notre consommateur sur Facebook, Twitter, Instagram. Le premier volet, vraiment, la belle
Dans le passé, vous avez su maximiser vraiment l'engouement des Jeux olympiques à Vancouver en étant présent. Donc, c'est un petit peu ça qu'on veut refaire avec l'engouement du hockey. Les gens, ils sont tous excités depuis plusieurs mois, sont privés de leur sport favori. Donc, c'est vraiment de créer un engouement à travers le hockey pour maximiser, venir vraiment mousser la présence au niveau des réseaux sociaux. Comment? Donc, c'est dans un tout qu'on veut faire la campagne. Et c'est vraiment maximiser tous vos biens. On ne l'a pas naturellement mentionné, mais vous êtes tellement présents partout, tant au point de vue du hockey, si on peut nommer Maple Leaf, si on peut nommer le Sambel, on nomme également, vous êtes propriétaire d'RDS, c'est d'interagir et c'est d'utiliser l'ensemble de vos plateformes pour faire connaître quelle est la téléfibre. Je me dis, consommateur, monsieur, madame, tout le monde, regarde le hockey, doit savoir qu'est-ce que la téléfibre peut faire pour lui. Ça peut même passer par l'analyse au hockey, à RDS, à TSN et même au Centre Bell. Donc, au Centre Bell, l'idée était de créer vraiment un univers qu'on se retrouve quand on n'a pas la chance d'être au Centre Bell. C'est vraiment créer un salon que le consommateur, que le fan de hockey s'y retrouve, de s'asseoir et de vivre l'expérience fibre que peut lui procurer le produit dans son salon. Et c'est de reproduire cette même plateforme vraiment au point de vue de l'ensemble de la pub qui va être créée par l'engouement du retour de hockey. Donc, c'est vraiment de faire un tout et de maximiser et par la suite de créer une présence accrue de nos consommateurs et créer maintenant une communication dynamique avec celui-ci sur les médias sociaux. Donc, c'est de créer un engouement et de rendre les médias sociaux interactifs en utilisant l'ensemble de vos plateformes et le meilleur billet étant le retour du hockey. Donc, utilisez le hashtag Vivez-le donc au maximum dans la campagne. Qui sera en février et Instagram pour utiliser Twitter, Instagram et Facebook également. Au point de vue des échéanciers, c'est serré. L'annonce est faite ce matin, donc on va commencer à travailler tôt. Quand l'entraînement est prévu pour, peut-être pas pour vous, mais pour le 12 janvier, est prévu pour le 12 janvier, donc le retour devrait être prévu pour début mi-février, donc le retour officiel à la saison. Donc, il faut vraiment travailler sur la plateforme interactive, comment alimenter, il faut se poser la question, comment alimenter, comment interagir, comment rendre ludique nos médias sociaux et maximiser l'expérience. Il faut aussi conceptualiser l'expérience Salon Bell, donc comment être beau, comment se rendre intéressant quand que les gens, les milliers, une vingtaine de milliers de personnes qui est notre consommateur se présentent au Centre Bell. Celui-ci pourrait même faire partie d'un tailgate party qui pourrait être faite à l'extérieur également du Centre Bell pour maximiser la donne. Campagne B2B, à ne pas oublier, donc on veut vraiment aller chercher l'entreprise, maximiser l'offre solution d'affaires de Bell. Donc la campagne B2B devra être faite pour mars 2013, avoir une présence accrue dans les marchés, tant dans les salons d'entreprise que sur le terrain. Donc être vraiment présent au niveau des représentants, aller chercher l'entreprise, et offrir une solution d'affaires clé en main pour vraiment maximiser les données potentielles et maximiser l'actif que ces données renferment. Donc aujourd'hui, mes collègues et moi-même, nous avons donné à vous, Bell, tous les outils nécessaires afin d'atteindre vos objectifs. Tant nos stratégies sont efficaces, réalistes, mais très intéressantes, elles permettent d'innover, d'engager et surtout de communiquer. Elle répond directement à votre mandat, soit de revoir les impératifs stratégiques afin d'assurer votre monopole sur le marché et puis de faire progressivement pour assurer la concurrence du secteur sur fil bien important. Donc, il n'en tient plus qu'à vous, chers collaborateurs de Bell, de mettre toutes les démarches nécessaires afin d'atteindre vos objectifs et d'amener votre entreprise vers les plus hauts sommets. Merci beaucoup. J'ai aimé votre proposition, la présence des médias sociaux, le salon Bell. J'aurais aimé savoir plus de détails, par exemple, combien ça coûte, c'est quoi le retour sur investissement, puis je ne suis pas sûr qu'à long terme, c'est ce que Bell a réellement besoin.
En fait, c'est vraiment de maximiser votre avoir. Au point de vue des chiffres, on a considéré que vous étiez déjà présent au Centre Bell. Année après année, on vous voit tant sur les médias, donc ça serait de juste maximiser qu'est-ce qui est en place. Au point de vue RDS, TSN aussi, c'est juste de maximiser vos avoirs pour également optimiser le retour sur investissement. Au point de vue des médias sociaux, est-ce que Bell en a besoin? Je crois que oui. Bell doit interagir, doit aller chercher vraiment le consommateur dans où est-ce qu'il est présent. Et le consommateur est présent sur les médias sociaux. Et c'est vos consommateurs également de demain qui est présent sur les médias sociaux. Donc, c'est les gestionnaires de demain qui tweetent en ce moment et qui est présent sur Facebook. Donc, oui, Bell doit être présent et doit maximiser ses plateformes. Dans les propositions que vous avez faites stratégiques sur les trois propositions que vous avez faites, comment que vous gérez la décroissance du surfil? Vous avez une majeure chez vous. Ça amène la nouvelle croissance, la nouvelle idée de revenus. Quand vous avez regardé le dossier, vous voyez quoi avec le surfil? En fait, avec le surfil, ça comprend vraiment beaucoup de différentes sphères de l'entreprise. Nous, on voulait vraiment se concentrer sur deux sphères de l'entreprise surfil, soit téléfilm et la gestion de base de données. Comme on l'a mentionné précédemment, le data mining, c'est vraiment une tendance de plus en plus en vogue ces temps-ci, donc on voulait vraiment mettre l'emphase sur ces deux-là. On est conscient que la téléphonie, ben pas la téléphonie, mais oui, la téléphonie aussi, là, okay. Le sans-fil prend beaucoup de dessus par rapport au surfil, donc c'est pour ça qu'on vous suggère de mettre l'emphase sur la téléfibre, qui est la télévision de l'avenir, puis ainsi que la gestion de base de données, qui est ça aussi, là, une belle entrée en termes d'industrie. Merci beaucoup. Merci. Merci.